Bon, les amis, comme vous le savez, depuis le mois d'avril, j'utilise la gamme Kinin de chez Clorane pour ma routine anti-chute. Honnêtement, mes cheveux sont renforcés et stimulés dès la racine. C'est vraiment une routine de soin qui est courte et agréable à faire lors de la période de stress, notamment de changement de saison ou de fatigue ou en postpartum comme moi. Et pour l'instant, j'avoue que j'en suis très 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 contente parce que je n'ai toujours pas commencé à perdre mes cheveux. Alors, vous avez le shampoing qui est conçu pour renforcer la pousse des cheveux au cuir chevelu et ralentir la chute. Et ensuite, vous avez le sérum qui vient réguler le cycle capillaire et stimuler la croissance. J'adore cette routine naturelle. Je retrouve des cheveux plus forts et en meilleure santé. Les produits sont disponibles en pharmacie ou par ma pharmacie. Je vous laisse découvrir mon dernier post pour en savoir un petit peu plus sur l'utilisation et l'efficacité de la quinine. Et petite précision qui est importante à mon goût, sachez que ça ne donne aucun effet gras. Il faut le mettre évidemment dès la racine. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire directement après votre shampoing. Les cheveux propres, ça sera nickel. Ah, c'est mignon ça. Non? T'aimes bien ça? Vas-y. Son. Salut les amis, aujourd'hui on se sort... Arrête. Les gars, on est sous l'eau. On est dans un lit, on a l'impression que on est en mode chill, pas du tout. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque. Pas du tout. Je vous jure, j'ai même pas le temps de vous poster des stories, de vous faire des stories, parce qu'en fait on n'arrête pas. Vraiment, on n'arrête pas là. Là, c'est une reprise là qui est à fond, ben parce que il y a Julien qui est au centre de loisirs, mais il y a Adrienne qui est là, il y a Bastian, et du coup ça fait qu'on doit jongler entre les enfants, la reprise, les mails, le travail, la comptabilité, la création de contenu et tout, et en vrai c'est quelque chose.